Bonjour tout le monde, dimanche 23 avril 2023, Françoise et moi parcourons une partie de l'ouest de l'Amérique du Sud pendant plusieurs mois et en nous déplaçant principalement en bus. Et pendant quelques semaines, Michel ici présent, le retour, va se joindre à nous. Voilà. Et ce soir, nous prenons un bus pour La Paz, puis après un autre bus pour Puno. Et normalement, on devrait arriver à Puno donc vers 13h30, hein, il me semble. On vient de regarder l'état des sièges. Pour notre premier voyage, Michel n'a pas chance. C'est un siège en bois. Ah, t'es à côté de moi, Michel? Oh non. Eh si. Donc là, c'est pour en cas d'accident. Appuyer dessus, puis ça éjecte. Ah non, c'est là. Ah non. Appuie. Ok. Oh ben non. Oh, il a l'habitude d'Air France. Bah ça y est, nous sommes arrivés au Pérou, donc quitté la Bolivie. Donc Puno, c'est au bord du lac Titicaca. Comme on arrive dans un nouveau pays, il faut trouver de l'argent. C'est parti pour 70 km. La voiture, elle a du mal à monter. Alors, on termine à pied. Hasta luego! La Casa de Félix, il y a une petite anecdote là-dessus. C'est que je suis venu ici en 2017 et Françoise, alors qu'on ne se connaissait pas, est venue ici en 2018. Voilà. Buenas tardes, Lorenzo. Lorenzo, qué gusto. Hola. Francesca. Hola. Y después. Michel, bon, on va tout de suite aller voir la vue qu'on a sur le lac Titicaca. Wow. Il y a pire quand même, hein. Vue sur le lac Titicaca. Santé. 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 Au Pérou. Et à la vôtre, au Pérou. Ah. Salut. À la familia de Luis. Le Pérou compte 34 millions d'habitants. Du nord au sud, le Pérou c'est deux fois la France, et d'est en ouest, c'est un peu plus d'une fois la France. Lima est la capitale depuis 1821. Quand on parle du Pérou, on pense tout de suite à la civilisation inca, dont Cusco a été la capitale.
Le lac Titicaca s'étend sur deux pays, la Bolivie et le Pérou. Avec 190 km de long et 80 km de large, le lac Titicaca est la plus grande réserve d'eau douce d'Amérique du Sud. Sa profondeur moyenne est de 107 mètres et sa profondeur maximale est de 327 mètres. Nous avons trouvé cet endroit à Liachon suite à un post sur Facebook « Les Français au Pérou » publié par Manon Irigoyen. Nous y avons trouvé ce que nous cherchions depuis quelque temps, le calme et le repos. Et grâce à Louis et Antonia, nous avons pu connaître l'authenticité, goûter à la vie rurale, rencontrer la réelle culture des Péruviens. Pendant 5 jours, nous avons cuisiné, appris le tissage et confectionné des bracelets. Nous nous sommes promenés et avons découvert la pêche au filet. D'autres Français nous ont rejoints grâce à ce poste, apportant de la bonne humeur et de bons échanges. Tu voulais faire un bracelet, tu vas faire un pompon. Bon, t'as choisi tes couleurs ? Ouais. Soul, à soul, y a soul. Non, non, pas fait. Oui, voilà, comme ça. T'as la télé française. Et moi, je vais faire des photos de vous deux quand même. Ouais, ça s'appelle Al Capone, ton affaire. Al Capone. Quand même. Ça va avec. Ah, viens, mon petit loup. Après avoir passé la matinée à faire du tissage et avoir confectionné des bracelets, eh bien, avec Michel, on fait une petite promenade. Françoise est restée à la maison pour voir les animaux. Il y a deux familles de Français qui sont arrivées, dont une famille avec deux enfants. Donc ce soir, on sera un peu plus pour manger. Oh, dis donc. Ce soir, c'est l'anniversaire de deux enfants de Louis et Antonia, Myriam et Christian. Et ce qui est génial, c'est que nous sommes conviés. Ah, gardez-moi ça, tout le monde. Et que des Français, hein. Joyeux anniversaire. Ya, que pruebe. Esa es la lana de oveja. El primer inicio de preparación es así, en esta forma, que es más fino, Prender. Sí, y luego lo hace también así. Y esto ya está listo, así lo prepara Luis. Aujourd'hui, Louis nous organise une visite des îles Uros et Taquile. Chega manga sawa, iskam.
tubaris paparlanchi, chishimasamungi niwami. Kuna tubaris paparlanchi, chishimasamungi niwami. Kita moyoni, kawaja pasush pachayani. Wasi wasi kita moyoni, kawaja pasush pachayani. Kusa jai bikau pichayani, minga chiwai dia nispasa. Kusa jai bikau pichayani, minga chiwai dia nispasa. Kusa ijang pite graspaka, nyamika ibika. Nous sommes sur l'île de Taïkilé et cette île a une caractéristique, c'est que si on veut la visiter, ça commence par la grimpette. Et je vous rappelle qu'on est quand même à 3900 mètres. Avec Louis, on va aller poser les filets pour pêcher bien sûr des poissons. Nous venons de tendre les filets sur environ 200-300 mètres. Et demain matin, on viendra relever les filets. Après avoir posé des filets hier après-midi, bien maintenant il faut aller chercher les poissons. Et là, ça, j'ai quelqu'un qui vient m'aider. On va voir la récolte. Que faire qu'il ne calcule pas, tu vois. Surveille les opérations. Oh, il va être fatigué, Michel. Le petit poisson qu'il a pris. Tortotier. Si. Ah. Oui, oui, non. Si. Coucou. Quelle application qu'est-ce, non? Bonjour tout le monde, dimanche 30 avril 2023, nous sommes tristes, nous devons partir de cet endroit, de cette maison de Louis et Antonia. Nous avons passé vraiment des bons moments ici, on a eu la chance d'avoir aussi quelques Français qui sont venus nous rejoindre. Et nous avons sympathisé avec certains d'entre eux. Alors si vous voulez passer un bon moment au bord du lac Titicaca, ici à Liasson, venez chez Louis et Antonia, vous ne serez pas déçus. À bientôt.